Abdallah Ben Yassin, le fondateur du mouvement Almoravide. C'est un savant et prédicateur de la première moitié du XIe siècle, l'un des plus grands érudits de la jurisprudence malikite. On lui doit la fondation du mouvement politico-religieux Almoravide, dont il a été le fer de lance et le chef spirituel, contribuant de manière capitale à la mise en place des fondements d'un État qui n'allait pas tarder à s'imposer en vaste empire. Il s'agit de Abdallah Ben Yassin Agouzoul, ou, selon la forme arabisée, Al-Jazouli. La date de sa naissance n'est pas connue de manière précise, mais le lieu est clairement identifié dans la vallée de Tamanart, dans le Sousse, au milieu d'une antique zone de circulation et d'habitat composée d'un ensemble de ksours. La tribu dont il tire son ethnique est celle des Xoula, Igouzoulne. Ces derniers nomadisaient depuis les temps les plus lointains, des montagnes de l'Atlas jusqu'aux profondeurs de l'Afrique subsaharienne. Ils sont d'ailleurs identifiés aux antiques Gétules, décrits par les historiens gréco-romains et qui constituaient un seul et même peuple avec les Goudala, selon Ibn Khaldoun. Certaines fractions Xoula s'étaient sédentarisées anciennement dans les plaines de Haha et dans les vallées de l'anti-Atlas. C'est donc là que Abdallah ben Yassin ben Moukouk ben Sir ben Ali al-Jazouli a vu le jour. Comme il était de coutume d'aller quérir la science partout où il était possible, il se rend en Andalousie, précisément à Cordoue, durant le règne des roitelets des Taïfa, pour y étudier pendant 7 ans de nombreuses sciences. Durant ce voyage, Abdallah ben Yassin parcourt le pays. Il prend conscience des divisions politiques et doctrinales, à l'instar de ce qu'il était advenu à Al-Andalus. Arrivé dans sa terre natale, il décide de parfaire sa formation par une initiation auprès du cheikh de renom Sidi Wagag Ben Zellou Al-Lamti, dont la Zawiya était connue à Aglou, mais dont un autre lieu de formation est signalé par plusieurs auteurs dans le Nfis. L'avenir de Abdallah Ben Yassin commence à se dessiner au premier tiers du XIe siècle. Voici les faits qui impliquent d'abord le chef saharien Yahya ben Ibrahim al-Goudali en retour de son voyage à la Mecque. Lors de son escale à Kairouan, foyer de diffusion du malikisme, Yahya al-Goudali assiste au cours du juriste natif de Fès, Abu Imran al-Fassi. Là, il prend conscience de l'ampleur des lacunes de ses contributeurs en matière d'application des préceptes religieux. Pour cette raison, l'émir des Goudala sollicite des théologiens pour leur enseigner la science et pour consolider leurs connaissances. Mais les théologiens sont réticents à entreprendre une telle expédition dans le désert. Abu Imran al-Fassi lui recommande alors Wagag Ben Zellou al-Lamti. Nous sommes en l'an 1039. Wagag reçoit la demande avec sollicitude en désignant le théologien, idéalement qualifié, bien disposé à faire partie du voyage. Il s'agit de Abdallah Ben Yassin al-Jazouli. Le début de son séjour au Sahara s'avère chaleureux de prime abord auprès de son premier disciple, le grand chef de tribu Yahya al-Goudali. Abdallah ibn Yassin est bien reçu par les tribus Goudala et Lemtouna à qui il enseigne le Coran, explique la Sunna et initie aux principes de la religion. Mais sa mission se caractérise par tant de zèle que les populations, excédées par son puritanisme, le destituent de son imamat et l'expulsent hors de la tribu. D'après l'historien Ahmed Nasseri, dans son Kitab al-Istiqsa, c'est Abdallah ibn Yassin lui-même qui avait décidé de quitter les Goudala vu qu'ils se détournaient de lui pour suivre leur passion. Auprès d'une poignée de fidèles, Abdallah ibn Yassin effectue une retraite ascétique sur une île pourvue de ressources et d'eau douce. C'est là, dans un ermitage fortifié, que prend naissance le mouvement Almoravide. Concernant l'emplacement précis de Soribat, on se perd en conjectures entre ceux qui le situent sur une île du bas Sénégal, sur le fleuve Niger, probablement près de Tombouctou, voire à Tidra, en Mauritanie actuelle. Quoi qu'il en soit, au terme de ces 7 années d'exil et d'organisation, les partisans et sortes de moines guerriers sont passés, selon les chiffres sans doute symboliques, de 7 personnes à 1000. Parmi eux se trouvait le chef politique Yahya al-Goudali. Ils sont tous nommés par l'idéologue et fondateur du mouvement Al-Murabitoun, ceux du Ribat,
La mission pouvait reprendre avec succès, d'abord chez les Lemtsuna, puis chez leur cousin Goudala, avant la formation d'une confédération de tribus sahariennes. Il faut dire que cette réforme almoravide, bien que centrée sur la religion et partant d'un principe unificateur, était d'abord soutenue par l'esprit de clan, la fameuse Asabia, des tribus Nahaja, grands nomades chameliers qui nomadisaient plusieurs siècles avant l'islam des montagnes de l'Atlas jusqu'aux rives du fleuve Sénégal. À la tête de cette confédération snahagienne et dans le cadre d'un fonctionnement bicéphale, le chef spirituel Abdallah ibn Yassin nomme en 1054 un chef militaire, Yahya ben Omar le Lemtouni, nom sans fronde, cette fois politique, des Goudala, qui se sont sentis défavorisés par ce glissement de pouvoir. Quant à Abdallah ibn Yassin, écrit Ahmed Nasseri, il était le véritable prince, car c'était lui qui ordonnait et interdisait, donnait et refusait, et c'était selon ses avis qu'ils agissaient. Les bases doctrinales du mouvement étant donc posées, la conquête des tribus pouvait commencer, ainsi que la collecte des impôts canoniques servant à l'armement pour le combat dans le sentier de Dieu, avec pour devise défendre le droit, supprimer les impôts illégaux et implanter les prescriptions coraniques. L'un des premiers objectifs de Abdallah ibn Yassin était d'ouvrir un nouveau front en direction de l'Empire du Ghana. Les exploits des Almoravides gagnent ainsi du terrain, avec la prise en 1054 de la riche cité caravanière d'Aoudaghost. Les nouvelles de leurs exploits les précèdent également plus au nord, où le pays était en proie aux divisions. C'est ainsi que les théologiens de Sijil Massa et du Dra, excédés par les dérives et par les exactions des princes Zened Beni Khazroun, ont envoyé une missive à Abdallah ibn Yassin. Les Almoravides prennent donc Sijil Massa en 1055, s'assurant la route de l'or depuis le départ à l'arrivée, gage de leur puissance. Ils chassent les Mrawa Zenet, s'emparent de leurs biens et répartissent le butin avec les religieux locaux, tout en installant leur ordre avec la destruction des instruments de musique, des lieux de vente et de consommation des boissons alcoolisées et en abolissant les taxes et autres impôts non canoniques. Pendant ce temps-là, plus au sud, se révoltent encore les Goudala. Lors d'une grande bataille, ils assiègent Yahya ben Omar le Lemtouni dans les montagnes de la Drar en 1056, au cours de la bataille de Tabfarila, où il trouve la mort. Son frère Abu Bakr ben Omar, aussitôt doté de l'épée du commandement, prépare une grande armée avec à sa tête son cousin Youssef ben Tashfin. L'armée victorieuse, toujours menée par son chef spirituel Abdallah ben Yassin, marche ensuite sur le Sousse et sur le pays des Masmouda, conquiert la tribu Gzoula, les villes de Massa et de Taroudant. Puis c'est le tour de Chichawa, Dunfis, l'allégeance des tribus Graga et Haha, jusqu'à l'arrivée à Armat, où les Almoravides délogent en 1057 l'émir Marawi, le Qout, échappé de nuit chez l'Ibni Ifrin, maître de Salé et de Tadla, avant d'être tous passés au fil de l'épée. En 1059 vient l'expédition contre les schismatiques Barwata de la Temsna, qui vivaient en toute indépendance, en principauté, jugée hérétique depuis le 8e siècle, avec pour capitale Anfa, sur le territoire de l'actuelle Casablanca. Et c'est là où se scelle le destin de Abdallah ibn Yassin. Le 7 juillet 1059, il est tué au combat contre les Barwata, près d'Ouad Krifla, en pays Zahir, dans la région de Rabat, où il est inhumé et où son tombeau est encore connu sous le nom de Sidi Abdallah Moulgara. Le mouvement pouvait se poursuivre désormais sans lui. Les bases fondamentales avaient été posées par Abdallah ibn Yassin, permettant aux Almoravides de fonder peu après un grand empire qui allait s'étendre des rives du fleuve Sénégal aux frontières de l'Aragon et de l'Atlantique à Alger, avec Marrakech pour capitale.